Salut les Marlous, c'est Thibélio du 12. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième session du dernier survivant version PCM 2016. Troisième session, toujours quatre étapes. La première, c'est les Caraïbes. Vous pouvez le voir là, avec l'étape qui vient juste de commencer à l'instant. Ensuite, on va faire encore montées en colonne. Alors que vous pouvez voir tout au fond à droite une montagne, on ne sait pas ce que c'est. Ah oui, on la voit. Montez en colonne et ensuite ça sera à la fin du monde. Et juste après la fin du monde, on fera 20 km. Le kilomètre qui déterminera le vainqueur Ouais, c'est ça, du le dernier vainqueur de survivant. ce dernier survivant. Et 20 km lancés. Donc voilà, voilà. 20 km lancés. Et donc aujourd'hui, avec moi, nous avons la team PCM Village quasiment en grand complet. Manque que le capitaine, hein, toujours Qui est absent. sur The Binding of Isaac, qui nous a lâchés. Oui, voilà. Donc il y a Lotto. Soudal, pardon. Lotto Soudal. Salut. Nautilus. Bien le bonsoir. Et Pumpkinman. Bonjour, bonjour les viewers. Du coup, vidéo, ça fait l'intro pour moi. Génial. Voilà. On Sinon, changera sur les bah. quatre. C'est ça, on fera une sur deux. Très des blanquets. Ouh, ça roule déjà fort, là. Les bots qui ont attaqué. Des C'est comme dans le gunkups qui. chrono de... comme dans le chrono par Oui, bien équipe sûr. en Espagne Déjà. l'année Oui. dernière, avec le sable. Ouais. Il n'y a que Pinot là pour moi qui est bien là. Ils sont tous en difficulté, effectivement. Il y a Nadenus qui est déjà lâché. Oui, pareil. Neymar qui est vraiment pas long. Avec Cavendish qui essaye de. D'y aller, hein. Mais c'est dur. C'est dur pour Cavendish. Il est mort. Ah, il y a déjà Il aura du mal lui aussi. des lâchés. Faut bosser à revenir. Oui. Pas de soucis là-dessus. Alors que derrière, c'est Ladanus qui fait le train. Oh, les petites cassures là. C'est pas si c'était pas fini, hein, j'ai cru. Et non, c'était le four au plat. C'est sympa, joli les étapes. J'aime bien. Les petits palmiers, le soleil, tout Voilà. ça. Oh, c'est les Voyage, Caraïbes, hein. C'est ça. voyage, voyage. Ouais. C'est un peu ça. Sébastien Thiogo. Au fait, j'annonce pour les tournois pour PCM 2017, il y aura le retour de Benoît Vaugrenard. Bah oui, Oh. c'est beau d'un beau Ceux renard. qui étaient là pour le tournoi 2014, je crois. Il me semble. Oui, le premier tournoi avec. Bah celui-ci, ça doit être celui qui a réuni le plus de monde, je crois. Bah, si Vaugrenard est là, c'est la fin du game, hein, Oui, mec. c'est la fin du game. Vaugrenard qui attaque, je sais plus si c'était sur Milan Sanremo ou sur. Était pour Dieu. Ah bah, 41 devant, c'est normal. Oh mon dieu, cette étape C'est quoi. David qui roule. Ah, Ah, il y a c'est David qui fait la Pinot. bordure quoi. Ah bah. Et moi qui vous Voilà. me disais, j'allais chercher des bidons, m'en faites mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il est fort mon coureur. Ah, terrible, il y a mon chien qui veut sortir, faut que j'ouvre la porte. Vas-y, le chat sort. Allez. Non, rentre! Sors, sors, sors! Ça La clé est va. foutue! Sors! C'est ça, sort! Fais lui parler au chat. Trop tard, il est déjà sorti, il est parti, il est loin. Ah, les Allez, petits remonte les lapins sont bidons en dessous sortis. de ça. Bon, finalement, il s'est arrêté de rouler, David. Ouais. Non, parce qu'il a mis deux gars dans l'échappée. Ah! Ah oui, il y a Vestra et Lutsenko. Bon, après, c'est pas des super valonneurs, quoi, mais. C'est déjà pas mal. Donc, à l'avant.
Lutsenko et Westra. Ouais. Pas pour ça que ça va bien le faire. Cummings à l'avant aussi. Et oh à côté, il roule derrière. Et voilà, ça roule. Instant. Plus Carponi là. Ouf. Il fait le ménage. Putain, mon sprinter qui est à l'arrêt du peloton, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, puis c'est bloqué. Rip. Bien, tu lui sondes, moi qui est long aussi. Allez, mon coco. Allez, mon petit. Allez, mon petit, tu vas le faire. Allez, pour toi, les gars. Marc Madio à Thibaut Pinot, pour un truc. Et voilà, les cassures. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est parti pour les sondes aussi. Que boom explose. Ça fait longtemps. N'empêche, c'est faux plat quoi. Ouais. Qui donne de faux espoirs. Et qui permet de faire des bordures, justement. Enfin, des cassures en tout cas. Ouais, bah là, il, mais il va vachement vite là. On est encore avec Carpoin. Pour que même Pinot ait du mal. Alors que Fruvi est en train de jouer à Counter-Strike Global Offensive. Effectivement, merci. Sacré Fruvi. Salut si tu regardes cette vidéo. Ah, mais ça part en couille là. Ah, bah oui. On est déjà plus que 52 dans le peloton. C'est qui roule? Bah David. Oh mais... mais il a encore son sprinter et tout. Mais quoi? David peut il a encore son sprinter. David peut faire attaquer? Non, ses sprinters ils sont finis, c'est Utsenko. Non, c'est Westra. Westra, une belle toujours là. Ensuite c'est Rosa, Scarponi et Haru. Ouais. Pas peut-être Rosa. Allez. Il fait pas de ses sprinters aussi, j'ai l'impression. Davy il a voulu tout faire péter. Ouais. Ouais, il profite du vent. Il a pas tort d'un certain côté. Ouais mais au final ça. Enfin, il a plus de coureurs, ouais. Parce que s'il fait péter les couleurs des autres, ça... et tu fais péter les siens, ça sert à rien. Je pense que le. Ah si, derrière lui, t'as fait un oui. Faut qu'on met pas x2, hein, parce que la course est partie. Sur S. De quoi tu attaques des lissons? Ouais. Ouais, ça. Allez, remonte. Scarponi qui en remet encore un coup. Ah, j'ai pas vu que Cummings était parti en échappée. Si. En face, j'ai deux bottes 77, mais en même temps, ils sont en facile, donc ça devrait aller. C'est dur. Toujours Scarponi qui. Et il fait très mal. Ah. Cummings est parti. Ah oui, effectivement. Bon, c'est vraiment que les IA sont faciles hein, pour
au flash de 77 comme ça, au train. Mais bon, il y a déjà plus que 2 minutes d'avance. Kenzo Luka mène maintenant. Ah non, c'est pour protéger Guillermo. À moins que Scarponi en remette une aussi, c'est pas possible. Bon, Ellison a été lâché, il veut. Bah, il était. Ça fait longtemps qu'il est lâché. Ouais, mais je sais que je le vois là. Oui, avec les autres. Bah, tu roules. Mais j'ai encore roulé 8 chevaux, hein, donc. Et crevaison d'Elsa Puma. C'est dommage. Oui. Bon. David, maintenant qu'il a fait le boulot, enfin l'écrémage, il se calme un peu. Mais... Il reste plus que 4 passages. Ouais. Déjà les trois premiers ont fait très mal. Alors le reste. Elmiger, je pense que c'est mort pour lui. Pour moi c'est mort pour la Denius et Nidemar. Ils sont déjà 9 minutes. Ouais mais les dés ils seront genre de 30 minutes, ça se trouve. Je sais pas. C'est juste du punch. Hein. C'est pas énorme. Je pense pas que ce soit si énorme. Ça continue de rouler devant, c'est vachement. Toujours. T'as bon, par contre, j'ai les mains qui sont en queue de peloton, ça m'énerve. Donc ils sont à 1 minute 40. Attends. On a repris les passagers clandestins. Belle qui se merdait. On a le petit groupe attardé, le groupe 5 des attardés là. Qui est 5, on est 59. Ouais, bon groupe et tout. Ouais, le groupe est tout. Qui est maintenant retrouvé 4 coureurs de Kenzo Lucas. Je sais pas ce qu'il fait avec ses coureurs. Parce que là, il est en train de se cramer en fait. Tu parles de qui et de David? Non, Kenzo Lucas. Hein? Ah bah, il tente de revenir. Hein. Oui, j'ai deuxième. 42 dans le peloton, mais il y a encore plus dans la flûte. Non, c'est 42. Ouais. Le galopin, il est censé attendre les notes. Mais genre, il gagne du temps. Pas logique. Williams
parti rouler. Oups. C'est que l'auto tu nous faisait une petite bordure. Et que Mix toujours là. Là pour l'instant ça va vite. Hein, mais... Pour l'instant on est toujours 46 dans le peloton. J'ai récupéré les sondes. Non David, ne fais pas ça. Bon, ça fait plus rien là, ces accélérations à la vie. Oui. Pas trop de soucis. Par contre, Cummings reprend un petit peu d'avance, il est quasiment 3 minutes, alors que tout à l'heure c'est 1 minute 30. Rassure-moi, il est mort. Non, ça va. Il est genre barre jaune niveau un peu avant le bid après le bidon, quoi. Enfin, avant. Ouais. Entre le E1 et le bidon. Quoi. Barre verte au bidon. Ça va. Genre, est-ce qu'il y a la fraîcheur après elle devient mauvaise si jamais on finit avec beaucoup de barre verte? Je pense pas que ça existe la fraîcheur sur multi. En fait, si, je crois que ça baisse un tout petit peu, mais pas grand chose. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semble. C'est pas comme en solo quoi. Putain, pourquoi tu fais une bordure dans le groupe Eto, mec? Non, je parle. Hein. Quoi? Jamais comme ça. Moi, je ramène tout le monde, je m'en fous. Je fais un peu dans le social. N'empêche que le bordure dans le groupe plutôt, ça c'est une première, hein. Je crois qu'on l'a jamais faite. C'est ça. Mais en même temps, la course elle se joue à l'arrière. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Grâce à la seule course où tu regardes les attardés. Ah, mais mec, moi je vais jamais le je regarde jamais le peloton là. Mes 4 coureurs dans le peloton ils font leur vie. Hein. Il y a rien entre. J'ai du mal. De mon côté là avant. Et que ils sont. Putain et merde. Évidemment ils se sont pris une bordure. Épineux aussi. Ouais. 2 pour le prix d'un. 3 pour le prix, non? 3 pour le prix d'un. Allez, c'est gratuit. Allez, allez. Y'a que lui, c'est mon week-end cadeau. Oh, Roland, qu'est-ce qu'il est fort. Mais en fait, pourquoi t'es parti avec Mathieu et Eman en fait? Parce que j'ai vu que ça roulait pas. J'ai voulu faire Mathieu et Eman. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est la blague à ne pas faire. Valverde lâché, Valverde lâché. Attaque bah... de Pierre Roland. Non, pas du tout. Il ouais. Tourne le peloton Pierre Roland. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Boniface qui est tombé de son home trainer De Garcia Cortina plutôt. Oui. Ouais. Ce plat c'était ouais, Garcia ou. Ouais, moi je l'ai vu. Un champion. Mais déjà pourquoi il a. Sans doute un. Je sais pas. T'as qu'est-ce que tu se marres là? C'est vrai. N'empêche, Roland, s'il roule depuis le début, il va finir avec zéro barre verte. Non, Eman qui réussit pas à faire la bascule, c'est terrible. Ah si. Oh si, fait la barre. Oh, si, fait la et ils vont quasiment prendre un tour sur les autres, hein, et pas sur le dernier, hein, pas le premier. Regardez sur le profil.
Pantano, j'ai quasiment les points à tour avec lui. C'est David qui roule à l'avant encore. Lui. Ouais, tu peux avoir un avec Nibali ce fois-ci. Il est pas mal Bichot là. Bon après de toute façon il est du groupe Leto, je pense qu'il va rentrer dans les délais. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Vaut mieux qu'il rentre dans les délais. Oui, vaut mieux, oui. Mais est-ce qu'il va le faire? Parce que sinon, moi il me reste deux coureurs. Ça se trouve, c'est ce que fait Davy, hein. Ça se trouve, il fait roule à max pour essayer d'éliminer plus. Oui, mais sauf que Davy, en fait, ses coureurs, ils sont dans le deuxième groupe Eto. Non, mais il en a 4. Hein. Oui. Non, mais c'est sprinter. Ouais, mais je pense qu'ils s'en foutent des sprinters. Oui, je pense. Ils des 4 leaders. La dernière étape. Mais sont... Non, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Tu n'auras pas tes sprinters. Ce sera avec le puncher. Hein. Ça oui, ça sera avec le puncher. Oui. Bon, bah, c'est fini pour Eckenbach. Voilà, c'est fini pour Cumming. Bon, c'est pas grave, normalement il rentrera dans l'idée. Y'a pas de soucis. La chasse au bidon derrière, mais si on se fait pas lâcher derrière. Ils sont déjà là, vache. David, mais il roule comme un taré. Oh, c'est pas nouveau. Hein. C'est David. C'est la vie, pardon. Aussi, accessoirement. C'est la vie, David. Je tenterais bien un petit coup de bordure sur la course. En vrai, des notes, il a 17 km de retard sur la tête de la course. Oui, ça doit être mort là pour Bennett. En plus, je fais attendre galopin au cas où. C'est parti pour un coup. Et je me fais bloc. Forcément. Enfin bon, le but c'est pas non plus la victoire. Mais quand même. Pour la victoire, ça sert à rien. Ça fait plaisir, ça peut toujours faire plaisir une victoire. Victoire en soi, elle sert à strictement rien. Sauf la dernière. Alors Scarponi est mort. Pour ça aussi. Il
restait plus que Haru et Nibali normalement. J'espère que les délais vont être cool. En tout cas, Elmiger, il est déjà mort. C'est sûr. Au pire. Mais bon, vu que c'est un bot. Yes, Valence, il fait la bascule. Avec 0 barre jaune. Yaro qui va évidemment partir quand il faut, bien sûr. Exactement. Comme par hasard. Comme d'habitude. Pino qui a quand même réussi à faire exploit de faire un sprint avant le début officiel du sprint. Et il est mort. Chapeau. Atom qui lance bien son Guérande. Non, trop loin. J'en sais tellement trop loin. Non, oui, de toute façon, il y a David. Non, alors... Ah oui. 27 minutes les délais, putain. Je sais même pas 51 minutes les délais. 51 minutes, bah large. Ah ouais, mais ça servait à quoi que je gère tous mes cours? À chaque fois, c'est ça, genre je fais de la putain de gestion et. Ça sert pas à grand chose. Au final. Final, Valence 20ème. C'est cool ça. Pino fait 17 quand même. En fait, il faut économiser de barre verte. Du coup, on joue économiser de barre verte. Du coup, YOLO! Minutes quand même. Du coup, Deren, il explose tout le monde là. Faut essayer de suivre de game, non, ça marche pas. C'est un show. De Rennes qui finit avec les deux tiers de sa barre verte. Quoi. C'est un warrior. Moi, non. C'est même pas un tiers pour chacun. T'es sûr que c'est 57 minutes, hein, les délais. 51 minutes 29. 51 minutes, ok. Donc il y aura peut-être pas beaucoup de délais. Mais non, même pas du tout. Il y aura si, il y en aura. T'inquiète pas pour bah, ça. Des bots. Oui, enfin, bon, c'était déjà pas mal. Toujours ça, moi, pour nous gêner dans les places. Non, ils sont tous arrivés. Vas-y, ah. Avoir des... Si, ça ah, il y aura une Migueur. On va juste attendre une Migueur, quoi. Oui, ah oui, mais en effet, oui. Martin, qui a fait 10ème du prologue du Tour de Fisco aujourd'hui. Ouais, trop de ratage de vigueur. C'est fini pour le Migueur. Il est déjà 22h30. Ouais, alors que les coureurs font leur décrassage sur le circuit. Tranquillou. Ah oui, non, plus vite. King Migueur n'a pas encore fini. King Elmika. Ah, Siomi vient de lancer le jeu. Je vois ça. Il a déjà lancé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette première étape. C'est moins une vidéo hors délai. On a encore tous nos coureurs. Demain, c'est le monté de Zancolan que vous avez. Je vais vous montrer. 7. Combien de montées? 7. 5 ou autant. 1, 2, 3, 4. 5 montées du Zancolan. Ça va être joli. Allez, on se retrouve. Normalement, on se retrouve plus tard pour cette deuxième étape. À la pousse. N'empêche, une belle. C'est le premier, puis t'as. C'est pas mal quand même. Tout le monde a réussi à être dans les 7 sauf moi. Je suis 17.
Oh, puis sinon, juste un ordelé, c'est pas énorme. Et bah, c'est comme ça. Matt Guémon a quitté la partie. Ah. Il a C'est pas Bayon. aimé. Ouais. Kentivica aussi. Bayon. Il relance juste, je pense. Peut-être, ouais. Bon, bah, sur ce, Parce nous, qu'ils ont on pas va bien aimé. on se retrouve très bientôt pour la zancoloïde du aigu. Tchuss!